Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéma Vision. À chaque numéro, nous vous donnons notre vision du cinéma. Dans un instant, le film qu'il ne fallait pas rater à la télévision, notre séquence Cinéma Souvenir, et puis l'avis de nos deux experts cinéma, Alexis Clos et Alexandre Mastagli. Mais pour commencer, le box-office de la semaine, les trois premiers du classement en ce moment dans vos salles. En première place, Le Hobbit, un voyage inattendu de Peter Jackson, qui totalise 4 029 273 entrées. On en parle dans un instant. En seconde position, de l'autre côté du périph', qui totalise quant à lui 1 693 855 entrées. Bon score donc pour le nouveau film avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Et puis enfin, en troisième place, Jack Reacher avec 1 032 357 entrées. Troisième place donc pour ce film où Tom Cruise est en tête d'affiche, comme vous pouvez le voir. On passe au film qu'il ne fallait pas rater à la télévision. Il s'agit du film Ré de Taylor Hackward, diffusé le lundi 28 janvier sur HD1, l'une des 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuite. Sorti en 2004, ce film nous raconte l'histoire du mythe Ray Charles. 50 ans de carrière, de tubes et une voix nous sont donc montrés dans ce film. L'histoire de Ray Charles, le chanteur évidemment, mais aussi de son enfance et de sa vie de jeune adulte, évidemment bouleversé par son handicap et ses drames personnels. Servi par l'excellent Jamie Foxx, incarnant le chanteur Saul à la perfection, un très beau film donc diffusé le lundi 28 janvier à 20h50 sur HD1. Et on passe maintenant à notre séquence Cinéma Souvenir avec Nicolas Girodingo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique Cinéma Souvenir. Commençons avec Apocalypse Now. C'est en 1979 que Francis Ford Coppola réalisa ce célébrissime film sur la guerre du Vietnam qui dépeint avec virtuosité l'histoire de Willard, un soldat américain chargé d'exécuter le colonel Kurtz qui sombre dans la folie. Ce film lui apportera une renommée mondiale et obtiendra la Palme d'Or au Festival de Cannes. L'extrait que je vous propose aujourd'hui est une scène culte du début du film montrant un bombardement avec la musique de Wagner en toile de fond, une scène qui ne laisse personne indifférent et qui nous permet de faire connaissance avec certains personnages du film. Regardez. Ça va pas aller, rien chauffer. Tiens, on descend pour s'amener dans le soleil devant. À 1 km de l'objectif, on balancera la musique. La musique? Mais moi j'utilise Wagner. Ils ont claqué des dents, les bridés. Et mes petits gars, attends ça. Hé, ils vous mettent de la musique. Vol de grand Dixis, guerre psychologique plein volume. Manette à fond. Romeo Foxtrot, ouvrez le bal. Continuons avec Orange Mécanique. Cette fois-ci, c'est en 1971 que Stanley Kubrick réalisa un de ses plus grands films dans lequel il dépeint une critique féroce de la société de l'époque. En effet, nous suivons dans ce film l'histoire d'Alex et ses trois amis qui prennent un malin plaisir à faire des virées d'ultra-violence durant lesquelles ils n'hésitent pas à bagarrer toute personne qui ose leur barrer la route.
servi par des acteurs magistraux avec un réalisateur qui l'est tout autant. Voici un extrait du début du film également, dans lequel les quatre acolytes nous font une démonstration de leur violence gratuite qu'ils utilisent comme bon leur semble. Regardez. Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres en faisant blop blop entre les deux. Comme s'ils avaient tout un bastringue poicreux dans leur vieille tripe pourrie. Je ne peux pas supporter de voir les types comme ça, qu'ils soient jeunes ou âgés, mais plus spécialement les vieux tout ridés comme celui-ci. N'auriez pas une pièce de trop, mes frères ? Oh ! Oh ! Allez, tuez-moi, sale petit lâche ! Je ne peux plus vivre de toute façon, en tout cas pas dans un monde si dégoûtant. Oh ? Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde ? Il est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer au mieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivables pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde ? L'homme est sur la lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde. Oh, oh Terre chérie, oh, je meurs pour toi, Terre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique de Cinéma Souvenir. À vous, Julien. Merci Nicolas. Le débat sur trois films du moment avec nos deux experts médias, Alexis Clos et Alexandre Nastagli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors on commence avec le film Le Hobbit, un voyage inattendu de Peter Jackson. C'est un film de 2h45, donc sachez-le avant d'y aller. Un film fantastique d'aventure. Je vais essayer de vous résumer l'histoire du film rapidement, car le pitch est assez complexe, hein, il faut le dire. Donc, il nous montre l'histoire de Bilbon Sacquet qui, avec 13 nains et le magicien Gandalf le Gris, va récupérer un des royaumes appartenant aux nains et tuer le dragon Smaug. Alors, Alexandre, est-ce un film fantastique correctement réalisé ? Eh bien, oui, c'est un film fantastique, mais vous avez dit que, justement, le speech était compliqué. Eh bien, et en fait, il a l'air compliqué, mais le scénario, il n'y en a quasiment pas, quoi. Mais pour ce qui est de la trame fantastique, tout ça, c'est vrai que l'on retrouve tout le bestiaire animalier du Seigneur des Anneaux, donc le récit écrit par Tolkien, n'est-ce pas, le très grand auteur anglais. Et donc là, donc c'est un récit qui se déroule avant les événements du Seigneur des Anneaux. Simplement, pour ce qui est du film, c'est un film de Peter Jackson, donc déjà c'est quelqu'un quand même. C'est un film assez très très long, comme vous l'avez dit. Alors, c'est vrai. C'est vraiment trop long, c'est à ce moment-là long. Eh bien, disons qu'au début du film, si vous voulez, il y a un long prologue qui dure un peu plus d'une demi-heure. Là, c'est très très long, c'est vrai. Le début du film, toute la première partie, 1h30 où on rencontre les nains, tout ça, cette espèce de concours d'oro à un moment donné avec les nains, tout ça c'est très très long, c'est très lent, c'est très mou, et tout à coup, dès qu'ils partent au fait de leur village, eh bien le film part comme ça dans de l'action non-stop si vous voulez. Ça va à toute vitesse, il y en a partout, on ne comprend pas très bien, on est un peu perdu dans trop de scènes d'action. Ben, à un moment donné, ça s'arrête plus, si vous voulez. Donc oui, à un moment donné, il y en a trop. Et c'est là le gros problème du film, c'est cette espèce de rythme pas très bien fait, on va dire, du film. Et là, la poésie est totalement absente pour laisser place à une espèce de spectacle pour enfants, si vous voulez. Donc c'est le Seigneur des Anneaux, version pour moins de 9 ans, quoi. Simplement, niveau image et mise en scène, le film est parfait. Et vos interprétations, là aussi, mais c'est aussi dû aux capacités technologiques hors normes du film. Je veux dire, Jackson a mis le paquet, hein, niveau... le film est sorti en 3D, il a filmé son film en 45 images secondes, donc il y a cet air de visionnaire, un peu, qui rend au film une touche de réalisme et de beauté visuelle, comme on pouvait le trouver dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bien, c'est parfait.
Alors Alexis, qu'avez-vous pensé de ce film ? En règle générale, Julien, je rejoins un petit peu ce que dit Alexandre. C'est vrai, le film souffre de longueur, ça c'est indiscutable. Alors moi je trouve qu'on est dans le même symptôme qu'on a eu pour la première saga, mais là le problème c'est que c'est accentué. Premier épisode qui met en place le décor, qui met en place la trame et qui tend jusqu'à un aboutissement, en fait qui aura lieu justement, mais seulement dans le deuxième épisode et dans le troisième épisode. Donc là voilà, pour ce qui s'agit de l'avenir sur le 2 et 3ème de cette saga, moi je suis plutôt confiant, voilà, mais après pour celui-ci, c'est vrai qu'il est peut-être passé à côté de quelque chose. Il a voulu créer un monde qui était tellement parfait, un monde qui est visuellement, comme l'a dit Alexandre, c'est magnifique, c'est irréprochable au niveau technique, il n'y a pas à dire. Mais le problème c'est qu'à force de soigner trop le monde en fait qu'il a créé, il a oublié de vérifier qu'à chaque fois le spectateur était bien rentré avec lui dans ce monde, et au final Un peu déconnecté, quoi. Oui, voilà, il se passe qu'on est spectateur alors qu'il a voulu nous insérer à l'intérieur de son monde, et là on n'a pas réussi, alors que c'est ce qui faisait la force du Seigneur des Anneaux. On arrivait à se projeter à l'intérieur de ces films, et là on reste deux mondes qui s'affrontent et on est simple observateur. Et du coup c'est vrai que le temps, parce que c'est long, mais après il y a des films qui sont longs aussi de niveau durée, mais qui sont pas à ce point là quand même ressentis. Et là c'est vrai qu'il s'est ressenti très 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 long, parce que justement on reste en marge en fait de ce donc, monde visuel. C'est pas long que parce que ça dure 3 heures. Non, voilà, ça après moi je crois que c'est pas forcément un critère. Il y a des films d'une heure qui peuvent être longs, des films d'une heure, mais c'est vraiment qu'il faut, pour qu'un film ne paraisse court, il faut réussir à rentrer à l'intérieur de ce film. Et là, je crois qu'on est juste spectateur d'une technique. Et la technique, bon, bah, voilà, c'est sa qualité principale, mais aussi son plus grand défaut, quoi, parce qu'il n'y a que ça, malheureusement. Alors, passons maintenant au film The Master de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson fait partie d'une nouvelle génération de réalisateurs arrivés dans les années 90, parmi lesquels on compte également Quentin Tarantino ou David Fincher. Même s'ils ont tous des styles différents, leur réalisation autodidacte et leur montage ont apporté, au tout début des années 2000 donc, un style jamais vu auparavant. Moderne, sans complexe, Anderson avait déjà réalisé Punch Drunk Love en 2002, racontant l'histoire de Barry, l'homme à l'emploi du temps chargé et aux sept sœurs omniprésentes qui allaient bientôt changer de vie, et aussi There Will Be Blood en 2007, pour lequel l'acteur principal Daniel Day-Lewis avait reçu l'Oscar du meilleur acteur. Il est donc de retour avec ce film, The Master, qui nous raconte l'histoire de Freddy, un vétéran qui, après s'être battu dans le Pacifique, revient en Californie. Alcoolique, violent, la guerre a laissé des traces. Pour les effacer, il rencontre Lancaster Dodd, surnommé le Maître, donc The Master, vous l'avez compris, un homme charismatique qui va l'aider à se reconstruire. Alors Alexis, le nouveau film d'Anderson, est-il un travail de maître ? Oui, voilà, là, je pense que dès qu'on arrive devant ce genre de film, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de choses à dire, quoi. Voilà, là, comme on disait, là, il y a de la technique, mais là, il y a aussi l'histoire, il y a le sujet, il y a les acteurs, là, il y a tout. Ça fait un ensemble cohérent. Et comme l'a dit tout à l'heure, on parle d'une réalisation qui a ses caractéristiques, mais qui est très moderne. Et je crois que là, c'est vraiment visible dans ce film-là. Il y a ce côté clip qu'on retrouve toujours dans cette génération de réalisateurs, ce côté très esthétique, c'est travaillé. Le montage a une place très importante, c'est-à-dire qu'on sent le travail en post-production qui est arrivé. Donc vraiment, il y a une esthétique très travaillée, il y a une recherche sur les plans, comme de toute façon, on a toujours eu... Un montage très millimétré. Ouais, très millimétré. C'est très très bien fait. En plus, voilà, moi, je suis heureux avec ce film parce que ça marque le retour de Joaquin Phoenix, quand même. Absolument. Et Joaquin Phoenix, qui est un acteur qui, je trouve, est brillant et qui, malheureusement, n'a pas toujours eu le succès qu'il devait. Alors, soit par des choix au niveau de la carrière qui l'ont en fait emmené dans une petite descente aux enfers, ou même pour un choix marketing parce qu'il ne faisait plus facilement vendre. Mais voilà, je pense que là, ça va être l'occasion de revoir Joaquin Phoenix. Le Phoenix rené de ses cendres. Voilà, c'est absolument. Donc le voir vraiment dans le meilleur de son art, et donc ça, c'est vraiment très très bon. Alors Alexandre, je pense à adorer The Master, il paraît. Et absolument. Je veux dire, c'est quand même... déjà, c'est un film de Paul Thomas Anderson. Déjà, c'est un très grand réalisateur. Là, c'est son 6e film. Donc, en plus de 30 ans de carrière, quand même. Hein. Et donc là, on retrouve, d'une part, le génie de Joaquin Phoenix, qui là
a vraiment une transformation physique qui paraît avoir presque 50 ans. Il est toujours courbé sur lui-même, on dirait un vieillard, alors qu'il a un peu plus de 40 ans peut-être, Joaquin Phoenix. Simplement, il ne faut pas non plus oublier l'interprétation grandiose de Philip Seymour Hoffman, qui ici interprète donc Lancaster Dodd. On l'a dit, cette espèce de, pas de gourou, mais c'est le maître de la cause, cette société qu'il a créée autour de lui. C'est un peu une sorte de film sur la création de l'église de Scientologie après la guerre, ça raconte aussi cela, The Master. C'est absolument magnifique d'un point de vue graphique, d'un point de vue artistique. On rentre dans un autre monde. Ah mais... Absolument. Il y a, on sent bien, la caractéristique des personnages est fabuleuse. Ça commence sur une scène à la plage. Il y a tout ce travail sur la psychologie que l'on découvre, hein, du personnage de Phoenix. Et ensuite, sa rencontre plus que conflictuelle avec le maître. Et ensuite, les relations vont bien évidemment évoluer, en bien ou en mal, ça je ne dirais pas. Simplement, il faut quand même savoir que la fin du film peut être surprenante, le film lui-même est surprenant. Surréaliste, on dit aussi. Un peu surréaliste par moment, et donc c'est un film inoubliable, un film grandiose, et l'année commence très très fort. Alors, nous allons terminer pour ces trois films avec la stratégie de la poussette. Thomas, incarné par Raphaël Personnaz, a quitté Marie, mais il aime toujours. Il en est fou même. Mais alors, comment reconquérir sa belle? Alors qu'il se retrouve par une suite d'événements avec un bébé qui n'est pas à lui, sur les bras, cet enfant va devenir l'outil de sa reconquête. Le nouveau-né est l'arme fatale pour récupérer Marie, incarnée par Charlotte Lebon, l'ancienne Miss Météo de Canal+. Alexis, avez-vous eu quelques a priori comme j'en ai eu moi personnellement pour ce film? Oui, de toute façon, je crois qu'on en avait un petit peu parlé, mais c'est vrai que bon, voilà, on va voir ce genre de film en se disant, waouh, une comédie française, Miss Météo, quelle originalité, c'est passionnant, histoire d'amour, voilà. Voilà, encore un film français. Bon, alors. Encore une daube. Je tiens, après, voilà, je cadre mes propos. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un grand film, loin de là, donc je calme déjà tout ce qui pourrait être dit. Juste, je dis que comparé à ce qu'il laisse vous entendre, laisse voir de ce film, en fait, c'est beaucoup mieux quand même. Attendez. Il y a un scénario de base, en fait, qui est très intelligent, très bien fait, parce que ça coule tout seul. C'est sympa, quoi. C'est pas. Franchement, voilà. Ouais, c'est pas choquant. Non, et puis, non mais c'est pas choquant, mais il y a ce côté un peu humour noir qui n'est pas déplaisant non plus. Voilà, il y a ces petites touches un peu d'humour qui soient plus subtiles, d'autres qui sont un peu plus grossières, mais ça fait grand film comique quand même, quoi. Ça reste une bonne comique. Et ça prend des éléments qui ont été pris avant, voilà, ça ne réinvente rien, ça ne crée rien, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Quand on y cherche, on trouve ce qu'on cherche. C'est un film sans prétention, qui n'a pas voulu non plus faire un film d'auteur, un film de genre, ni un film de n'importe quoi. C'est une comédie légère, et dans la légèreté, il y a des choses qui tombent dans l'absurde, et je pense que pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête, c'est quand même pas mal du tout. Alors, Alexandre, vous n'avez pas apprécié la stratégie de la poussette? Eh bien, non, je ne marche pas à la poussette. Simplement, il faut quand même comprendre une chose par rapport au casting. C'est vrai que Charlotte Lebon, et plus particulièrement Raphaël Personnaz, sont très sympathiques dans le film. Elle a complètement gommé son accent. Oui, ça c'est assez... Surprenant, mais pas mal du tout, hein. C'est une performance. Je sais pas, pour elle. Simplement, par rapport au film en général et par rapport au scénario, il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, simplement, il faut quand même ne pas oublier une chose. C'est qu'il y a Jérôme Commandeur et il y a, comment elle s'appelle ? Camélia Jordana. Camélia Jordana, merci. Donc voilà, peut-être pas des acteurs en herbe. C'est moins que je veux dire, puisque l'un est humoriste et l'autre chanteuse. Quand même, les personnages qui sont ici présentés sont des personnages profondément caricaturaux. Il ne faut pas oublier non plus que c'est quand même assez ridicule par moment, assez, je dirais même,
Un peu trop même. Parce que le personnage de Jérôme Commandeur est présenté comme un fanatique de Yannick Noah. Mais c'est tellement poussé, c'est tellement montré, c'est tellement peu style que c'en est absolument ridicule de cette forme de... Bah voilà, de c'est très peu subtil, je trouve même pas les mots pour dire que c'est nul. Simplement, le meilleur acteur du film, à la limite, c'est le bébé, qui est franchement ici pour le coup, est plus un objet qu'on utilise pour amarrer la fille que pour autre chose, hein, donc voilà. C'est le scénario, évidemment. Mais le scénario, c'est horrible. C'est un scénario qui est nul, qui n'a aucune idée intéressante à montrer. C'est assez. Oui, donc ça vous a laissé. Pour vous, c'est pathétique, quoi. Voilà. C'est nul. Et pourtant, on passe un bon moment. Mais attends, on s'ennuie. Mais... On perd de l'argent pour voir ça. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui arrive. Non, mais après, mais si. Je crois qu'il y a un côté, faut dédramatiser les choses aussi, quoi. Je veux dire, tu parles de Jérôme Commandeur, mais Jérôme Commandeur, comment tu peux dire que c'est caricatural? Mais non, c'est un personnage abstrait, c'est un personnage, c'est complètement absurde. C'est cette personne qui est vraiment esthétiquement qui est pas parfaite du tout, loin de là. Mais oui, c'est shakespearien tout ça. Mais franchement, je sais pas si quand tu critiques un film en disant c'est shakespearien, bah, franchement, j'aimerais bien être. Mais c'est pas toi, alors, shakespearien. Commandeur, il est là, ouais, tu dis, le mec, il est là, il veut. Alors lui, c'est le spécialiste des bébés, le spécialiste de tout ce qui est poussette. Ah, il en faut bien. Mais non, mais pour draguer. Attends, histoire de fou, il s'est complètement décalé comme idée. Les deux amis, dont un spécialiste du bébé, pour aller voir les filles après. Fan de Yannick Noah. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est caricatural à mort, mais dans le côté positif. C'est voilà, côté, pas c'est du absurde, tout. C'est absurde, mais c'est complètement absurde comme truc. Mais on n'y croit pas, on n'y croit pas. Voilà, donc vous l'avez compris, la stratégie de la poussette est un film qui divise, certains aiment, certains n'aiment pas, donc allez le voir pour vous faire une opinion. Alors, Alexandre attend un film avec impatience, et celui-là je pense quand même que vous l'aimerez, eh bien c'est le nouveau film de Tarantino, Alexandre. Ah, absolument, le huitième film très attendu de Quentin Tarantino, ça va être le second événement de ce début d'année avec le film de Spielberg, simplement... Cette fois-ci, Tarantino va sur des chemins qui lui sont très familiers, et si on peut dire, même si c'est la première fois qu'il tourne réellement un western spaghetti à la Sergio Leone, du western, il en avait déjà un peu fait. On se souvient de Kill Bill, le volume 2, un peu particulièrement, et aussi, aussi le western. Vous n'aimez pas, mais... Ah non, moi, non, c'est pas possible. Hein, ce genre de cinéma, non. Et là, je pense que pour le coup, ce sera très bien. En plus, on a quand même Leonardo DiCaprio qui interprète pour la première fois le rôle d'un méchant. Alors, ça va être une autre performance, comme Henry Fonda qui jouait son seul rôle de méchant dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Là, peut-être qu'on va découvrir une autre facette du talent génial de Tarantino. Je pense que ça va être l'un probablement de ses meilleurs films. Et honnêtement, je pense que c'est un western qui a sa place dans le cinéma. Bien, le genre de western n'est pas mort, c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Alors, Quentin Tarantino avait depuis longtemps cette idée dans la tête, hein, de réaliser ce western. Alors Alexis, êtes-vous autant emballé qu'Alexandre sur ce film-là? Ouais, non, vraiment pas du tout, quoi. Déjà, j'ai une question, peut-être que tu ne tiens la réponse. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire que je n'aime pas Quentin Tarantino? Mais on a le droit. Je sais pas, parce que dès que je le dis, j'ai l'impression que tout le monde m'attaque, alors que la plupart de ces personnages n'ont pas spécialement les références pour, enfin bref. Certains sont vraiment nuls. Non mais, je dis juste que Tarantino, pour moi, c'est l'espoir de l'intelligence, mais la réalité de la bêtise. C'est, on s'y attend toujours à avoir quelque chose, et au final, il y a le... Vraiment le stéréotype américain du déconnectage cérébral qui dérive comme ça. Il y a tout qui se met là. Tarantino, il a ce côté énervant d'être doué, d'être un génie. Et ça, c'est clair. Je ne l'enlève pas. C'est un génie, Tarantino. Et de ce fait, j'ai l'impression que dans ce film, on va voir comme il a toujours, comme il a souvent, ce côté génial d'une mise en scène qui est tellement bien structurée, des plans qui sont magnifiques. Même des scénarios qui tiennent la route, même quand ils sont des plus absurdes dans Kill Bill, mais ça tient toujours la route. Et il a ce côté génial. Mais j'ai l'impression qu'il est bipolaire un peu. Il est confronté avec une autre partie de lui-même, c'est ce côté complètement
là vraiment il se prend au sérieux dans sa décadence et ça en devient, pour moi ça devient, ça me lourd. Casse mon plaisir, ouais voilà c'est lourd. Et ce qui pouvait être au début une originalité, ces taux d'hémoglobine à gogo, ça peut être une originalité, quelque chose de plaisant dans certains films, en devient vraiment maintenant une marque de fabrique qui en est devenue même une fabrication à la chaîne. On attend ça de Tarantino maintenant, voilà, un moment calme, une musique funky, du sang, et vous voyez la bande-annonce, c'est ce qu'on a, donc bon. Voilà, moi j'irai le voir, hein, et puis j'espère que je me trompe, et puis j'espère avoir un Pulp Fiction 2, quoi, mais bon, je sais pas, on verra. Eh bien, merci Alexis et merci Alexandre. Voilà, c'est la fin de ce 8e numéro de Cinémavision. Vive le 7e art et à bientôt, j'espère.